Salut à tous, c'est BionicsFire, comment allez-vous? Moi je vais bien et on se retrouve sur ma chaîne, donc voilà. Mais voilà, donc voilà, 1917 vues, la qualité va pas être super normalement. Mais on n'est pas pour ça, on est là pour se créer un serveur Minecraft facilement. Donc comment faire? Dans la description, je vais vous mettre un lien comme ça, où il y aura ça à télécharger. Merde. Après, vous faites clic droit, extraire ici, mais pour faire extraire ici, il faut avoir WinRAR ou 7-Zip. Je vous mettrai un lien aussi au pire. Après, on ouvre, deux clics. Oui. Next, next. Et là, vous faites next et tout. Jusqu'à l'enregistrer. Voilà. Ouais, vous verrez, de toute façon, vous faites next, next, voilà. Il n'y aura rien de spécial. Oui. Oui. Et après, vous arriverez sur ça, Bucket Operator Panel. Donc, ça, vous l'ouvrirez, oui. Continuez. Et là, vous ferez Run Installer. Next. I accept. Next. Next, etc. Et moi je vais pas le faire parce qu'il est déjà installé. Voilà, donc ça je vais supprimer. Voilà. Et ensuite, quand vous avez ça, et eh bien vous l'ouvrez et vous faites bon, on fait launch serveur. Après on va voir comment le gérer et tout. Alors, pure. Merde. Là. Voilà. Là. Alors, tant qu'il n'y aura pas un saut d'ouvert, vous verrez. Un saut un peu comme ça, vous verrez. En violet, vous allez voir. Là, faut que ça se termine. Mais c'est parce que j'ai plein de plugins et tout, donc... Alors, dépêche-toi, ouvre-toi, petit saut. Je sais pas que ça va faire. Allez, voilà, enfin. Ah, voilà. Donc, quand vous arriverez sur ça, tout d'abord, vous faites OP, votre nom. Donc, BionicsFire. Voilà, pour que vous soyez l'opérateur et que vous ayez accès à toutes les commandes. Et vous faites entrer, puis stop. Et on va régler toutes les commandes. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, c'est régler les commandes ici. Donc, Biocraft, c'est le nom du monde. World Seed, c'est ça, vous touchez pas. Je sais pas trop ce que c'est d'ailleurs. Serveur IP, vous mettez l'IP du serveur. Voilà. Par contre, il vous faudra Machi, je vais vous montrer après pour un Machi. Allow Nether pour aller dans le Nether. Enable PVP pour ce PVP. Online Mode, c'est pour ceux qui ont les versions premium. Donc si vous cochez, il aura que les versions premium qui pourront aller sur votre serveur. Et les versions craquées ne pourront pas. Le spawn des monstres, spawn animal. La whitelist. Donc moi comme il est en travaux, eh bien j'ai appuyé. Voilà, comme ça. Whitelist, je vous montrerai après comment la gérer. Allow Flight. Voilà pour ce. J'ai plus trop. Je vais ouvrir Google Traduction en même temps. Parce que je connais pas tous les mots. Je suis pas un bon franglais. Allow Flight. J'ai mal écrit. Voilà. Permettre le vol. Bah oui, on peut voler. View distance, vous touchez pas. Play max player, ça sera écrit 20.
Et vous pourrez changer après serveur port, vous changez, vous touchez à rien. Game mode, survival ou créatif, comme vous voulez. Difficulté easy. Et après vous faites save. Et c'est écrit qu'il faut reloader le serveur, enfin. Restart le serveur. Donc, pour le fermer, vous retournez sur le saut là, et vous faites close serveur. Voilà. Et on va regarder comment gérer son serveur avec serveur ici. Voilà. Donc, ça, vous touchez pas aux deux là. Game mode 0, serveur IP, vous touchez pas. Le PVP, est-ce que vous en voulez trop? Oui. La distance de vue, vous touchez pas. Là, pour aller dans le Nether, oui. Difficulté 1, normal. Ou c'est aventurier, je crois. Max player 5, spawn animal, true. Online mode, false. Je rappelle que true, ça veut dire vrai. Et false, faux. Ou oui ou non. Whitelist, true. Le spawn monster, true. Le mot. Ah, ça a changé, on dirait. Serveur port, on touche pas. Ça pour voler, comme on vient de le dire. Ça, on touche pas. Et ça, vous pouvez changer là. Là, vous pouvez changer. Vous mettez ce que vous voulez. Donc voilà, on ferme. Et après, vous pourrez mettre des plugins quand vous l'aurez ouvert et fermé. Vous verrez, vous pourrez mettre des plugins. Donc ça, de toute façon. Merde. Voilà. Je peux m'amuser à supprimer maintenant. Je ferai ça plus tard. Donc, après, on le rouvre. Launch. On attend qu'il s'ouvre. Après, il y a un plugin. Plugin. Là. Multiverse Core. Ou, comme ça, vous pourrez avoir plusieurs mondes comme moi. J'en ai plusieurs, Biocraft, Map Code, Monde Ressources, Monde Solo, Parc d'Attraction, voilà, Ville, voilà, qui vous permet d'avoir plusieurs mondes. Il va s'ouvrir le serveur. Et sinon, je vais vous montrer après encore. Je vais vous montrer un truc. Voilà, il est ouvert, donc on peut aller dessus. Minecraft. Enfin. Alors pour aller dessus, comment faut-il faire pour aller dessus, pour aller sur son serveur Minecraft? Purée, il va me casser les burnes. Ah voilà. Voilà, Enter Game. Donc, il vous faut Hamachi. Voilà, vous installez Hamachi. Et là, vous aurez une IP ici. Arrête ça. Une IP ici qui sera l'IP de votre serveur. Donc, vous allez voir, mon serveur, il est tout en bas. Il est là. Si vous regardez 25.186, 25.186.100, 167. Et j'ai mis deux petits points, 25 565, mais sur des serveurs ça marche pas. Si ça marche pas, ça change rien, vous inquiétez pas. Et pour que vos amis puissent aller sur le serveur, vous faites réseau, créer un réseau, comme moi là j'en ai plusieurs. On va faire 3. Après. Non. Non. Créer. Crée-toi, petit serveur. Et là, vous avez un serveur qui s'est créé. Voilà. Donc j'en ai un, deux, trois. Mais après, vous pouvez faire clic droit, supprimer le réseau. Oui. Et pour... Je sais pas. Pour vous pouvez faire aussi réseau, rejoindre un réseau. Je sais pas ça. Hop, un copain vous dit ça. Par exemple, vous avez un réseau et vous voulez que pour que les autres gens viennent sur votre réseau, vous voulez que vous, par exemple,
Je vais vous expliquer. Je crée un réseau et je veux que Guillaume PC vienne sur mon réseau, mais qui est que lui. Donc, vous pouvez mettre dans votre ce que vous voulez, votre réseau, et il faut vous créer un compte sur Hamachi. Comme ça vous demande d'accepter. Comme là par exemple, moi, si Guillaume je lui donne Hamachi, et ben ça va le faire venir directement. Sauf que vous pouvez faire créer un compte Hamachi, comme ça vous pouvez accepter ou refuser. Après, c'est une autre solution. Donc voilà, on se connecte au serveur et on arrive et il pleut. Donc on fait slash sun et on fait slash, je sais plus si slash day ça marche. Ça marche. Ok. On va mettre là. Voilà. Merci slash time. 05. Voilà. Alors, après, vous pouvez avoir différentes commandes sur le serveur, mais moi je suis là pour comment créer son serveur Minecraft facilement. Je peux tout vous expliquer. Ça fait 10 minutes déjà, ok. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça ne marche pas, bah envoyez-moi des MP. J'essaierai d'y répondre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ah oui, et la whitelist aussi. J'ai oublié. Alors, quand vous faites dans serveur, oh bah là, ça n'est plus la même chose. Oh, j'ai pas cliqué sur la même chose. Je sais pas, bref. Whitelist ici, true, et ben c'est dire oui, en gros. Et là, vous irez sur la whitelist et vous mettez le pseudo des gens, je sais pas, par exemple, Vésu, voilà, je l'invite. Si Vésu, ça s'écrit comme ça, ça sert à rien de mettre les majuscules parce qu'il va les supprimer. Regardez, par exemple, Vésu, voilà, je mets n'importe quoi, enregistrer, on ferme le serveur. Non, 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 je suis con. Voilà. Et là, whitelist. Vésu. Il est. Attends, on va ouvrir le serveur. Ah, il est même pas fermé. Ok. Launch serveur. Alors. En attendant. 1917 vues, presque 2000. Merci. Donc, ce que je vous disais l'autre fois, le copain qui va me créer une intro, c'est lui. Voilà, 80 vues en 5 jours. C'est grâce à moi. voilà. Et là, ici, regardez-moi ça. 445 vues en 2 semaines. C'est magnifique. Alors que regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Parcourir les vidéos. On se dépêche. Attends-toi 2 secondes. Alors. Fichier plus. Un fichier plus. Regardez-moi ça. 137 vues, ma toute première vidéo. Elle est même moins. Oh. Elle est même moins que la vidéo d'il y a 2 semaines. Donc, merci de regarder mes vidéos. Je suis content. Voilà. Whitelist. Et là, voilà, vous avez vu. Ça s'est mis en minuscule. Donc, ça ne sert à rien de mettre les majuscules. Enregistré, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et plus tard on se retrouve pour le premier épisode avec Hunter Gig ou le deuxième, je sais pas comment je vais les mettre, dans quel ordre. Voilà, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Allez voir les vidéos des copains. Et sur ce, salut!